Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Information Orientation, 20e édition pour ce forum. Distanciation sociale oblige avec la pandémie. C'est une formule différente des années précédentes qui vous est proposée cette année, avec évidemment toujours le Conseil départemental de l'Ain comme producteur général, avec les partenariats des chambres consulaires et de l'inspection académique. Et il y a donc 14 émissions en tout, une émission par filière, filière qui recrute dans le département de l'Ain. Nous sommes ravis d'accueillir les centaines et centaines de collégiens et collégiennes des 65 collèges du département de l'Ain qui sont devant leur petit écran ou grand écran cet après-midi pour ce deuxième rendez-vous et tout de suite pour vous accueillir eh bien, les deux personnes qui ont été déléguées par l'organisation générale sont celles qui comptent évidemment avec tout d'abord Martine Tabouret, vice-présidente du conseil départemental de l'Ain chargée entre autres des affaires scolaires et donc des collèges et également Marilyn Remer qui est l'inspectrice d'académie, c'est pas son titre tout à fait officiel mais ça revient à ça en tout cas au niveau du département de l'Ain. Je vous propose de retrouver ces deux dames tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette émission Nouvelle Formule Information Orientation. Alors pourquoi cette nouvelle formule? Simplement parce que les conditions sanitaires nous ont privés du plaisir de faire le forum que nous faisons habituellement. Pour autant, il nous a paru important de poursuivre l'information à l'orientation puisque c'est un des thèmes sur lesquels les jeunes doivent travailler et qui leur pose souvent beaucoup de problèmes. Il s'agit donc d'apporter, de porter à leur connaissance les différentes filières, 14, qui sont porteuses d'emploi sur notre département et pour lesquelles des formations existent également sur notre département. Ces émissions, et en particulier celles-ci, ont été construites bien évidemment avec nos partenaires habituels, ceux qui nous accompagnent depuis 20 ans déjà sur Information Orientation, la Chambre des métiers de l'artisanat, la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre de l'agriculture et bien évidemment l'éducation nationale qui nous a permis un travail important avec les équipes enseignantes et de direction des collèges. Au cours de chacune de ces émissions, vous allez rencontrer des jeunes, vous allez rencontrer des entrepreneurs, vous allez découvrir des entreprises, des secteurs d'activité qui vous permettront peut-être de réfléchir à votre orientation, qui vous permettront de décider si vous préférez aller en filière professionnelle ou en filière générale, tout en vous disant qu'aucun choix n'est définitif. Donc il s'agit vraiment de penser votre orientation en termes de métier et ensuite de choisir la voie qui permettra d'accéder à ce métier et à cette filière. Chers élèves, bonjour. Le forum qui est proposé, dans sa nouvelle forme, va vous permettre d'aller à la rencontre, d'être en dialogue avec des chefs d'entreprise, avec des artisans, avec des filières qui recherchent, qui vont vous proposer la diversité et qui vont venir nourrir ce qui est votre propre réflexion sur ce que vous souhaiteriez faire plus tard. Nous sommes bien sur une dynamique qui vous permet d'avancer, de faire un pas de côté, de changer d'orientation. On ne fait pas d'erreur. On va plus loin dans ce qu'on souhaite faire, dans la découverte. Donc il n'y a pas de problème. Et toutes les voies de formation aboutissent. Et ce qui est essentiel, c'est que vous trouviez la meilleure des voies, y compris si vous êtes obligé d'en changer. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Soyez rassurés. Essayez plutôt d'avancer sur ce qui vous plaît et sur ce dans quoi vous pourrez vous épanouir. C'est notre objectif commun. Après ce double mot d'accueil, eh bien, on vous propose de regarder maintenant quelques chiffres sur la santé économique du département de l'Ain. Département qui est porteur d'emploi, porteur avec des filières qui sont des filières qui recrutent régulièrement. Département attractif s'il en est, on n'a pas le numéro 1 par hasard. Et donc ce département de l'Ain, il a de multiples potentiels et disponibilités pour ceux et celles qui ont envie de rejoindre donc, les 14 filières représentées dans cette information métier édition 2021. Et je vous propose tout de suite de découvrir quelques chiffres qui en disent aussi long, voire même plus qu'un discours. Mmh.
Voilà, vous le constatez évidemment, donc beaucoup de potentiel et de possibilités, vous disais-je tout à l'heure, et les chiffres le confirment pour ceux qui ont envie de rejoindre le monde économique et professionnel dans ce département indinois. On va retrouver maintenant la filière du jour, après une filière qui était consacrée au métier de l'automobile lors du précédent épisode, eh bien on va retrouver une filière qui elle aussi a besoin de bras, de têtes, de jambes, de jeunes gens et de jeunes filles qui ont envie de rejoindre ces beaux métiers que sont ceux du bâtiment et des travaux publics. Là encore, une petite vidéo très sympa avec quelques chiffres parlants pour vous montrer l'importance de cette filière BTP dans le département. Pas moins de 9 établissements de formation, plus de 6200 entreprises dans cette filière bâtiment-travaux publics dont les métiers sont apparus sur l'écran juste auparavant. Une multitude de métiers ouverts évidemment, toutes ces métiers autant qu'ils sont aux hommes et aux femmes, donc aux garçons et aux filles qui ont envie de rejoindre ces professions, des professions passion, des professions qui au niveau technologique évoluent sans cesse et qui nécessitent évidemment une implication totale. Mais je vous fais confiance de l'autre côté de l'écran pour être des gens et des jeunes motivés. On va retrouver maintenant le schéma d'orientation, poste 3e, comment faire pour aller vers ces métiers de cette filière en particulier aujourd'hui, bâtiments et travaux publics. Après la 3e, c'est justement ce que le film qui va être projeté dans quelques instants vous propose, donc une petite réponse rapide, vite fait, bien fait. Les métiers de chacune des filières, des 14 filières d'information orientation, ceux qui en parlent le mieux sont les professionnels et les jeunes en formation. Ça tombe bien, nous avons dans un premier plateau des jeunes en formation, différents types de formation pour différents métiers que nous allons accueillir dans quelques instants. Et puis nous aurons ensuite un professionnel dans un deuxième plateau qui nous parlera des métiers du bâtiment et des travaux publics avec les possibilités de rejoindre donc cette filière porteuse d'avenir et porteuse d'emploi et où on s'épanouit évidemment pleinement, notamment en plein air, même l'hiver, le BTP, c'est un vrai bonheur, je peux vous dire, pour avoir testé que c'est vrai, même si on est aussi content de se mettre à l'abri de temps en temps. D'ailleurs, il fait très chaud sur le plateau du collège d'Urvermont, dont je salue la principale qui nous accueille sur ce plateau, donc Caroline Cartier, avec toute l'équipe pédagogique. Merci donc à Caroline et à son équipe de nous accueillir ici sur ce plateau permanent d'information orientation pour cette deuxième édition en ce qui concerne le jour J. On va retrouver dans quelques instants Timothée Batty, Miranda Buguet et Zachary Ezoukaren qui vont nous rejoindre. Et comme on a un petit peu de public avec la distanciation, on va les applaudir, s'il vous plaît. Et allez, oui. Venez, venez. Voilà. Bonjour Zachary. Bonjour Miranda. Bonjour Timothée. C'est bien dans cet ordre-là? Je ne me suis pas planté, je suis content. Voilà.
Merci à vous d'être des nôtres pour témoigner de votre formation. Donc, vous êtes tous les trois donc, dans cette formation pour être dans l'un des métiers du bâtiment ou des travaux publics. On va commencer tout de suite avec Timothée Batty. Il fallait bien commencer par quelqu'un, par ordre alphabétique. Voilà, tu es dans les B, donc on s'est permis de commencer par toi, Timothée. 21 ans, si j'ai bien tout compris, hein, voilà. Et qui, effectivement, donc, est en BTS bâtiment. Mais tu n'as pas toujours fait que cette filière-là, avant d'atterrir en quelque sorte en BTS bâtiment. Je crois que tu as un parcours un peu singulier, comme on dit. Alors, ce parcours, c'est quoi? C'est bien ça. Donc, après avoir obtenu mon brevet des collèges, j'ai commencé par un CAP en maçonnerie. Ensuite, j'ai fait un CONEX en béton armé, en un an. Par la suite, j'ai fait un brevet professionnel en maçonnerie et un bac pro bâtiment. Et maintenant, je suis en BTS bâtiment. C'est ce qu'on appelle un CV en béton armé. C'est normal, c'est une de tes formations, quoi. Alors, c'est une évolution logique, ça, ou c'est un choix personnel aussi d'orientation en permanence? Ben, au début, je voulais juste faire un CAP. Enfin, avant, je ne savais pas ce que je voulais faire, tout à fait. Ma mère m'a proposé d'être maçon. Donc, j'ai dit pourquoi pas. Donc, j'ai commencé avec un CAP. Ensuite, j'ai fait un CONEX et puis on m'a conseillé de faire un brevet professionnel, même si je n'avais pas envie. Alors je me suis dit, pourquoi pas. Et après, l'air plus long, mais tu l'as fait quand même, quoi. J'ai fait quand même. Et à partir du brevet professionnel, j'ai commencé à y prendre goût parce que j'ai trouvé que j'attachais plus d'importance au métier. Et c'est pour ça que par la suite, j'ai continué jusqu'au BTS. D'accord. Alors au départ, la maçonnerie, c'était pas ton rêve de petit garçon, quoi, je suppose. C'était pas une vocation, comme on dit. Non, pas du tout. Mais c'est arrivé comment? C'est ta mère qui t'a dit, tiens, tu devrais faire maçon, parce qu'il y a des maçons dans la famille ou pas, non? Il y a mon grand-père qui était maçon carreleur. Oui. Donc elle m'a dit, pourquoi pas, fais comme lui, on verra si ça te plaît ou pas. Et puis ça m'a plu, donc j'ai continué. Alors tu es au lycée Caria, à Bourg-en-Bresse, c'est ça? Tu es en alternance, évidemment, hein, avec effectivement une entreprise également. On va peut-être présenter l'entreprise dans laquelle tu officies brillamment. Donc c'est l'entreprise Juillard à Jasson. Et on réalise la maçonnerie et du gros œuvre. D'accord. Maçonnerie, gros œuvre, c'est quoi la différence pour ceux qui nous regardent? Maçonnerie, ce sera plus de la maison individuelle, de la rénovation. Et du gros œuvre, ce sera beaucoup plus du bâtiment beaucoup plus important, comme des immeubles. Ou des bâtiments industriels, ou des bâtiments comme industriels. Ça, d'accord. La répartition entre le lycée et l'entreprise, ça se passe comment alors? Eh bien, quand j'ai du CAP jusqu'au brevet professionnel, c'était une semaine d'école pour environ trois semaines en entreprise. Et du bac pro au BTS, c'est un mois en entreprise et un mois à l'école. D'accord. Tu préfères quoi entre nous? Un mois en entreprise, un mois en école. T'aimes bien les deux? J'aime bien les deux. Ouais. On apprend quoi à l'école, au lycée, là, comme type de discipline en fait? Bien, on a beaucoup plus à l'école. On apprend beaucoup plus la partie théorique, ouais. Exactement. Ouais. Comment s'occuper d'un chantier, comment réaliser le chantier, et puis vers l'entreprise, on applique ce qu'on a appris à l'école. D'accord. Alors, qu'est-ce qui te plaît en fait dans ce métier, dans ce BTS bâtiment, dans ces métiers du bâtiment là? Ce que j'aime, c'est être dehors déjà. Ouais. J'aime beaucoup être dehors, à l'air libre. Même l'hiver, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, on début, est bien c'est dehors. C'est pas facile au début, mais on y prend goût. On respire difficilement avec le masque, mais enfin, on est dehors, quoi. Ouais. Ouais. Exactement. Et puis d'autres choses qui te plaisent vraiment? Construire, bâtir des choses, non, c'est important. J'aime bien, oui, travailler de mes propres mains. C'est concret. On se rend compte qu'on a fabriqué quelque chose. D'accord. Et chez Juillard, on te fait confiance? Tu vas sur les chantiers, tu bosses comme n'importe quel salarié, ou tu as un statut un peu particulier quand même? Alors, on me fait confiance. Souvent, on me laisse gérer une équipe. Mais c'est vrai qu'avec certaines personnes, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils n'acceptent pas d'être dirigés par quelqu'un qui est encore apprenti. Ben oui, forcément, un apprenti qui dirige des salariés. Mais bon, il faut s'imposer, quoi. Hein. Exactement. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Alors là, donc, tu vas avoir ton BTS. Première année, c'est-à-dire qu'il y a une deuxième année encore, c'est oui, ça? Oui, une deuxième année. Et après? Je pense m'arrêter là. Ouais. Oui. Ça sera déjà pas mal. Oui. Et après, justement? J'aimerais bien être chef de chantier, ou pourquoi pas conducteur de travaux par la suite. D'accord. En ce qui concerne la répartition école et entreprise, on a bien compris. Ce qu'il faut dire aussi à ceux qui nous regardent et celles qui nous regardent, c'est que tu as un salaire, hein, tu touches des sous, entre guillemets, pour le boulot que tu fais dans l'entreprise. Tout à fait, on touche une certaine somme. Donc quand on commence, on a l'impression que ce n'est pas grand-chose. Mais rien que ça, ça peut motiver. Ça peut motiver à aller plus loin, à continuer. Et un jour, avoir ta propre entreprise, ça te brancherait ou pas?
Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'y ai pas vraiment pensé, mais pourquoi pas? Alors, question évidemment qu'on se doit de poser hein, quand on évoque les métiers, parce que tous les métiers sont ouverts aux garçons et aux filles. Il y a des filles dans ta formation, tu en connais quelques-unes ou tu n'en connais pas du tout? Oui, il y en a quelques-unes dans ma formation en BTS. Parce que par la suite, le BTS, ça peut déboucher sur des travaux, sur un travail qui peut se passer dans les bureaux. Donc, plusieurs travaux, trucs comme ça. D'accord. Sinon, petite question subsidiaire, tu fais du sport? Si oui, quel sport? Enfin, en ce moment, on ne fait pas de sport, mais tu es sportif, toi, plutôt? Parce qu'en général, dans les métiers du bâtiment, il faut être costaud, non? Ben, je ne suis pas vraiment sportif, mais oui, je me suis un peu mis à la musculation au début, quoi. Parce que c'est vrai que ce n'était pas facile, les premières fois. Un moellon, deux moellons, t'en es à 10 moellons maintenant dans chaque bras. Ça va pas faire ça. Bien progressé. Ouais, tu t'es mis à la muscule un peu, parce que c'est vrai que ça reste des métiers un peu physiques, même si la technologie fait en sorte, maintenant il y a du matériel, mais je suppose que, ouais, faut pas être feignant, comme on dit, quoi. Oui, il faut pas être feignant, oui. Les premiers jours, c'était compliqué, même voir les premiers mois. Mais au bout d'un moment, c'est comme tout, quoi. On s'habitue et on devient plus fort par la suite. Voilà. Puis on aime ça. On aime ça. Il y a de l'adrénaline. Hein. Donc t'es un homme heureux, quoi. Oui, on peut dire ça. Voilà, regardez le beau sourire de Timothée Batty, franchement un sourire comme ça. Jeune Jean qui est avec nous, on peut applaudir l'artiste. Allez, merci beaucoup Timothée. Et on te souhaite évidemment donc une bonne suite dans ta carrière, mais on n'est pas inquiet. Mademoiselle Miranda Buguet, salut Miranda. Bonjour. Alors bon, ça c'est une fille qui est dans les métiers du bâtiment. Il n'y en a pas tant que ça, c'est vrai, mais il y en a fort heureusement. Alors toi Miranda, tu es en deuxième année de CAP peinture. Oui, c'est ça. Explique-moi un petit peu le cheminement qui t'a conduit jusque-là. Alors moi, j'ai passé mon brevet. Après, je me suis inscrite à un bac pro laboratoire contrôle qualité. Tu n'as pas beaucoup de contacts et de rapports avec la peinture, ça? Non, pas du tout. C'est pour ça que j'ai arrêté. J'ai été déscolarisée pendant un an et après, j'ai voulu faire peinture. Comme ça. Comme ça? Oui. C'est pas un stage de troisième? Non, pas du tout. Tu connaissais des peintres susceptibles de t'accueillir? Non. Alors quand c'est comme ça, il faut rappeler quand même que tu es au CFA du bâtiment et des travaux publics, donc rue des Compagnons à Bourg-en-Bresse, que tu as trouvé une entreprise. Pour trouver une entreprise, il faut aller sonner aux portes. C'est facile à trouver une entreprise quand on veut être apprenti? Non, pas vraiment. Des fois, c'est plus difficile. Alors comment tu as fait? Moi, j'ai eu de la chance. Je connaissais quelqu'un qui travaille dans une entreprise et il m'a un peu pistonné. D'accord. Donc voilà. Oui. C'est toujours bien, un petit coup de piston, oui. Hein, dans les fanfares, comme on dit, effectivement. Donc du coup, tu rentres dans une entreprise qui est l'entreprise Cure Peinture à Jasseron, c'est ça? Oui. Hein, présente-moi cette entreprise, petite entreprise, familiale? Oui, c'est ça, on est une petite dizaine. D'accord. Et quand la petite Miranda est arrivée au milieu des peintres, ils l'ont vue comment arriver? Ils t'ont regardé avec des gros yeux étonnés ou ils n'ont pas été surpris? Un peu, ils étaient un peu surpris au début. J'étais toute petite, ils n'ont pas compris. D'accord. Et puis maintenant, ils ont compris? Oui. Parce que ça fait quand même quelques temps que tu y es, effectivement. Donc, deuxième année de CAP. Donc là, tu auras ton CAP. A priori, on nous a dit que ça ne posait pas de problème. Tu vas continuer? Tu vas arrêter? Qu'est-ce que tu vas faire? Je pense peut-être faire un BP, peinture, pour continuer. Et après, je verrai. Alors, qu'est-ce qui te plaît dans ces métiers de peinture, là? Dis-moi. Ce que j'aime dans le métier de la peinture, c'est de créer, retransformer, de tout rendre plus joli, entre guillemets. Vous faites de la rénovation surtout, non? Oui, on en fait. On fait rénovation, du neuf aussi, un peu tout. D'accord. Et chez Cure, on te laisse travailler aussi, comme les autres ouvriers et salariés de la maison, grosso modo, on te confie des tâches précises? Oui, le chef, il me fait confiance, il me donne mon travail que j'ai à faire, je le fais et puis voilà. D'accord. Donc aucun regret d'avoir quitté ce métier de laborantine qui visiblement te plaisait à moitié, quoi. Hein? Oui, non, je ne regrette pas du tout de l'avoir quitté. Ouais, effectivement, donc transformer l'éprouvette en pinceau, c'est mieux. Hein, les éprouvettes contre le mur, ça ne se fait pas, même si les éprouvettes sont très à la mode en ce moment. Mais bon. Ton avenir, donc BP et après, alors, qu'est-ce que tu veux faire? Continuer la peinture, je pense. Devenir salarié et travailler en entreprise. D'accord. Quitte à rester dans la même entreprise, d'ailleurs, peut-être chez Cure, non? Oui. C'est possible, oui. Ça se passe bien? Très bien. T'as un message à lui faire passer à ton patron? Petite augmentation, envie de faire? Oh, c'est possible. Ah, ça plaît toujours, ce genre de choses. Et bon, donc toi aussi, t'as un salaire, on est bien d'accord? Oui. Hein? D'accord. Et donc, c'est un salaire qui correspond aussi à l'âge qu'on a, je crois, quand on est apprenti? Oui, hein? C'est ça, oui. D'accord, c'est une partie du SMIC, en fonction de l'âge qu'on a, il est plus ou moins important. Oui. Hein? D'accord, le salaire. D'accord, très bien. Et donc, t'es une jeune femme heureuse? Oui, très. Alors, hormis la peinture, qu'est-ce que tu aimes dans la vie, Miranda? C'est une bonne question. Hein? Oh, oui. C'est très indiscret, j'en conviens, mais bon, ouais. Je parle du sport, de la lecture, de la musique, oui, de la danse. Le sport. Ouais. Et quoi en sport? Salle de muscu. Ah oui, aussi?
Oui. D'accord, vous pouvez faire un binôme d'enfer, là. Ouais. On va vous trouver une salle de fitness ouverte. C'est pas facile en ce moment, mais on va faire un effort quand même. Ok, Miranda, merci beaucoup. De rien. Un petit message à rajouter? Non. Aux jeunes qui nous regardent, venez dans la peinture, c'est génial. Ah oui, venez. Voilà, venez, Miranda vous attend. Applaudissements pour l'artiste. Merci beaucoup, Miranda. Zachary et Zoukaren. Salut, Zachary. Ah, merci d'être avec nous. T'es costaud, toi, t'es grand. Tu dois être sportif. Un petit peu, oui. Et un petit peu, ça veut dire quoi? Bah, un peu tous les jours quand on peut. Ouais. Et quoi comme sport? Un peu de tout. Un peu de course à pied, vélo, musculation aussi. D'accord. Haltérophilie, un petit peu, tout ce qu'on peut. Danse classique? Non, non, je plaisante. Bon, d'accord. Ouais, alors, toi, possible, je le ferais. Et pourquoi pas? Ouais. Alors, toi aussi, tu as un apprentissage, bien sûr. Alors, oui. Toi, tu as un parcours intéressant parce que, en fait, tu as eu un premier bac pro et puis, au bout d'un moment, tu t'es un peu, comment on dit poliment, tu t'es un peu embêté. Hein, ouais, voilà. Et du coup, tu as changé d'orientation, ce qui prouve d'ailleurs qu'on peut changer d'orientation même en ayant déjà un diplôme. Alors, parle-moi un petit peu de ce qui s'est passé bah, après la troisième, tiens, pour toi. Allez. Après la troisième, je savais pas trop ce que je voulais faire. On m'a proposé technicien mouliste outilleur. J'y suis allé, j'ai fait un an, deux ans. Au bout de la deuxième année, après les stages, au fur et à mesure, l'industrie, l'usine, ça me plaisait plus trop. J'aimais pas être enfermé. Du coup, fin de la deuxième année, j'ai arrêté. Puis, je suis allé travailler à l'usine pendant trois ans. J'ai fait opérateur sur presse pendant trois ans dans diverses et variées entreprises. Ensuite, ensuite, dernière année de mon CDD, j'ai commencé à en avoir vraiment marre. Du coup, je cherchais une autre filière possible. Je suis tombé sur les TP. Ensuite, les pipelines, ouais, je suis tombé. Parce que tu aimerais bien, toi, être installateur de canalisation pipeline, en fait. Exactement. Hein, on va parler effectivement de ton bac pro, parce qu'en fait, c'est un bac pro, donc constructeur en canalisation, c'est ça? C'est le ça. Terme exact, c'est ça, officiel? Non, le terme exact, c'est je fais un bac pro TP, travaux publics. J'ai fait un CAP en constructeur de canalisation, ouais. Que j'ai eu. Et maintenant, je suis un bac pro TP, c'est ça. D'accord, très bien. Mais toi, le but du jeu, c'est d'installer des pipelines. Des pipelines, ouais. J'aimerais bien être constructeur de pipelines, ouais. Mais ça se fait sous la mer ou sous la terre, ça? Sous la mer, sous la terre, ouais. D'accord. Mais je pense pas. T'as ton permis de plongée? Non, pas encore. Ouais, d'accord. C'est long, à mon avis. Je sais que tu as du poumon, mais quand même, hein, ouais. C'est pas rien. Et ça, c'est l'objectif, tu aimerais bien y arriver. Alors là, cette formation, elle se passe plutôt pas mal. Tu as trouvé une entreprise sans trop de problèmes? Non, pas trop de problèmes, non. Tu travailles chez qui? Chez EHTP NGE. D'accord, c'est un grand groupe, ça? Ouais, c'est un grand groupe. Et vous faites quoi, alors, concrètement? Un peu de tout. On fait du terrassement, du génie civil, de l'assainissement, de construction de réseaux secs, humides. Un peu de tout, vraiment tout. C'est vraiment varié dans ce groupe-là. D'accord. Et alors, ce qui te plaît, c'est qu'effectivement, tu es dehors, quoi. Ouais. À contrario de l'usine que tu connaissais. On change de chantier, on change tout, en fait. On peut passer du grand terrassement sur des plaines assez vides, au travail dans la montagne près d'Annecy, à poser des réseaux en fonte à 2 mètres sous terre. Et c'est vraiment intéressant. C'est ça qui est vraiment... Alors, tu n'es pas claustrophobe? Non, du tout. Donc, c'est bien, ouais. Tu n'as pas peur des éléments extérieurs? Pas de soucis. Ouais. Au contraire, ça te plaît? Au contraire, ouais. T'as vraiment trouvé ta voie. Ouais, ouais. Vraiment. Alors après ce bac pro et donc finalement ce que tu es en train de faire comme formation, tu peux continuer si tu veux, non encore? Bah bien sûr, ouais. Et tu vas continuer ou pas? Les études, c'est assez compliqué, ouais. Mais sinon... Puis bon, t'as 23 ans, ça fait longtemps que t'es à l'école, comme on dit, l'air de rien. Je suis revenu quand même à l'école à 21 ans, comme quoi tout est possible en CAP. Et vu que je le voulais, c'est pas un choix que je regrette. Quand on veut, on peut. Exactement. Ouais. Donc là, avec tes deux bacs pro, et notamment le bac pro, donc BTP, tu vas chercher du boulot, quoi, entre guillemets. Mais je pense que je l'ai déjà trouvé, mon boulot. Ah, dans l'entreprise dans laquelle tu es? C'est ça. Ils sont prêts à te garder? Ouais. Ça se passe bien, visiblement, alors? Parfaitement. Ouais. Rien à redire. Et ton ambition, après, donc, c'est de grimper, de trouver un contrat? Chef d'équipe, chef de chantier, et puis c'est possible de faire du grand déplacement pour de plus grands chantiers. D'accord. Alors, tu sais qu'il y a aussi tout ce qui est éolienne, sous-marine, des choses comme ça. Voilà, ouais. Apparemment, il y a beaucoup d'avenir dans ce métier. Ouais, d'accord. Et donc, toi, le pipeline, ça reste quand même la priorité des priorités. Si c'est possible un jour, ouais. Bah, écoute, c'est tout le mal que je te souhaite, effectivement. Hein, voilà. Eh bah, écoute, super. Voilà, on va applaudir très fort Zachary Ezoukaren, qui est au CFA du bâtiment également, en formation. Et donc, dans le groupe NGE EHTP.
Rhône-Alpes, là, qui est une grande et belle boutique, effectivement, dans laquelle on peut apprendre plein de choses. Merci à vous trois. On est ravis d'avoir pu vous entendre. On vous aurait écouté encore pendant des heures, mais on a un timing, comme on dit, pour parler franglais. C'est très à la mode. Et en attendant, eh bien, en attendant de retrouver un professionnel qui nous parlera de son entreprise. Il est aussi formateur au CFA du bâtiment, donc il a une double casquette, casquette de chef d'entreprise, mais aussi de formateur. Et il nous parlera d'apprentissage, voilà, de tutorat, de ces choses-là. Puis il nous parlera aussi du métier qui est le sien, évidemment. Et donc, on va regarder un film avec des témoignages de jeunes gens qui sont venus devant les caméras de Média France pour faire des petits coucous, répondre à des questions bêtes et méchantes, ou alors pas bêtes et pas méchantes. Il s'agit respectivement de Cyril Jobazé, salarié de l'entreprise Guillermin, également Florian Desmaris, apprenti de l'entreprise Guillermin. Ça tombe bien, parce que c'est Laurent Guillermin, le pro, qui va nous rejoindre dans quelques instants. Et également Miranda Buguet. Tiens, Miranda Buguet, mais ça me rappelle quelqu'un. Alors, tu as répondu aux questions de Marc. Il était gentil, Marc. Oui. Eh bien, c'est ce qu'on va regarder tout de suite. Je m'appelle Miranda Buguet, j'ai 18 ans. Je fais un CAP peintre et applicateur de revêtements et je suis en alternance à l'entreprise Curtage-Asson. Je m'appelle Florian, j'ai 17 ans. Je travaille dans les travaux publics chez Guillermin TP à Chavérieux. Je m'appelle Cyril, j'ai 33 ans et je suis chef d'équipe au sein de l'entreprise Guillermin depuis 8 ans. Depuis tout petit, j'ai toujours aimé regarder les engins de chantier, le travail manuel en extérieur. J'aimais tout ce qui était par rapport à la déco, transformer des choses un peu. On effectue du terrassement pour des bâtiments industriels ou particuliers. On réalise aussi de la pose de canalisation en tout genre, réseau d'eau usée, pluvial, eau potable, électricité, télécom, gaz. On touche un peu à tout. En tant que peintre, on fait les finitions, en fait. De la tapisserie, de la peinture ou même des sols. Dans les travaux publics, vous pouvez aussi bien faire de la conduite d'engin, conduire un poids lourd, diriger une équipe, faire du terrassement, du nivellement, vous pouvez poser des réseaux, poser des bordures. Il y a plein de choses à faire. Il y en a pour tous les goûts. Ouais, il y a de plus en plus de femmes quand même, ouais. Dans la conduite, ouais, de camions surtout. Les filles peuvent très bien le faire. La preuve, je le fais, j'y arrive et ça me plaît. Oui, ça se passe très bien. Il y a une bonne entente entre tout le monde. C'est très agréable. Il y a un bon esprit d'équipe et mes collègues m'apprennent pas mal de choses sur leur métier. Tout le monde s'entraide et puis en fin d'année, on fait un bon casse-croûte, ça se passe bien. Oui, mon travail me plaît car c'est ce que je voulais faire depuis tout petit. En plus, je travaille dehors et je fais des choses différentes à peu près tous les jours. À la fin du chantier, c'est très satisfaisant de voir que c'est tout neuf, que ça a changé. Rémunération, connaissances, apprendre. L'alternance, pour moi, ça évoque le travail, la liberté et l'esprit d'équipe. Je suis arrivé dans l'entreprise en 2013 en tant que conducteur d'engin et 5 ans plus tard, j'ai pris la place de chef d'équipe. Dans le travail public, on peut évoluer, il n'y a pas besoin forcément d'avoir beaucoup de diplômes, mais il suffit d'être motivé et courageux et ça se fait tout seul. Conseil que je pourrais donner aux jeunes qui veulent se lancer dans un métier manuel, c'est de ne pas hésiter à aller en alternance, ils apprendront autant que dans une salle de classe, il n'y a pas de souci. Si ça vous plaît, lancez-vous direct. Mais non, ça va pas non plus, ça, c'est pas... Ouais. Aide-moi, toi, au lieu de rigoler aussi. C'est pas une question, c'est un peu fatigué. Esprit d'équipe, faut toujours aider les autres. En équipe, c'est plus facile, on peut s'entraider et puis on rigole aussi, pas mal. Organiser, parce que sinon je m'y retrouve pas. Pâtisserie. En avance, toujours être ponctuel, ça fait bonne impression. Bah, au début, c'était juste un travail et c'est après que c'est devenu une passion. C'est une passion, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Et puis en plus, on peut s'amuser avec des engins, alors c'est super. Faire du porte-à-porte, comme ça on voit les gens et ils savent comment je suis. Postuler par mail, j'aime pas parler face à face. Agir. Faut être équipé pour penser. Penser et après agir.
mieux que dans l'autre sens. Chantier, je sais pas chanter. Travailler tout court. Travailler tôt, c'est comme ça on rentre plus tôt. Voilà ces témoignages donc de jeunes qui ont répondu à des questions sympathiques, voilà, avec un choix parfois cornélien, difficile. Et donc Laurent Guillermin est avec nous. Bonjour Laurent. Bonjour François. Alors Laurent, il y a deux petits gars de chez vous là qu'on vient de voir. Ils ont été bons dans l'ensemble. Vous leur mettez combien sur 20 là en réponse? Non mais je savais déjà qu'il y en a un qui se débrouillait pas mal normalement et l'autre un peu plus difficile, mais bon. D'accord. Après. Ils ont retenu les leçons, hein, quand même, arrivé tôt, en avance, tout ça. On donne pas des moi, je ne suis pas à donner des grosses notes. Ah. 20, ah ouais, 20, c'est la perfection, personne n'est parfait. Donc. D'accord, et là, ils ont un petit 15 quand même, ouais. Allez, 15,5 même. Allez. 15,5 et 12. 15,5 et 12 ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et les salaires suivent, évidemment, le pourcentage, d'accord. Très c'est bien. À peu près ça. Bah, c'est bien. Laurent Guillermin, le boss, le patron de Guillermin TP à Chaveria. Et qui est également formateur au CFA du bâtiment. Alors Laurent, on va parler effectivement de votre entreprise. Tout d'abord, entreprise qui a déjà quelques années, puisqu'elle a été créée par le papa, Guillermin, en 1987, préciser quand même. D'accord, oui, 1887, on n'y aurait pas cru. Hein. Ça aurait pu, hein, mais oui. C'était pas le mien de père. Hein. Alors, quel type de métier vous faites finalement? Alors en fait, on a deux entreprises. On a une entreprise de travaux publics et aménagement paysager et également une entreprise en parallèle qui s'appelle Avaloter, qui s'occupe essentiellement de la valorisation des déblais excédentaires de chantier. Voilà. D'accord, sachant que maintenant, on essaye de recycler au maximum, oui, c'est important. Oui, c'est au niveau des démarches environnementales, on essaye d'être assez à la pointe du développement. Quoi. Parce que les normes sont draconiennes, hein, je crois. Non? Alors, oui, mais ça nous aide à avoir des chantiers aussi. Donc, voilà, ça nous donne une solution pour les déblais excédentaires. D'accord. Combien de salariés? Une petite vingtaine en tout. D'accord. 18 salariés, dont les apprentis. D'accord. Et sur un périmètre 25 km à la ronde autour de Chaveria. D'accord, donc la Bresse, un peu de Dombes. Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, vous êtes très, très branché apprentissage et formation, vous, hein, à tel point que vous êtes aussi formateur, on en reparlera après. Vous avez toujours des apprentis, toujours eu des apprentis? Depuis 2005, oui. Alors, moi, j'ai repris l'entreprise en 2002, mais depuis 2005, on a toujours eu des apprentis, au moins un par an. D'accord. Facile à trouver, le personnel qui va rejoindre l'entreprise? C'est pas toujours évident. Déjà, il faut avoir des candidats, et il n'y en a pas toujours. Même s'il y en a qui ont des problèmes pour avoir des entreprises, nous, on a parfois des problèmes pour avoir des candidats. Et des bons candidats. Alors, des bons candidats, c'est quoi? C'est pas évident. En plus, c'est des jeunes qu'on voit débarquer comme ça. Bon, parfois, c'est plus par cooptation avec les parents, on sait que... Voilà, mais sinon, c'est pas toujours évident. Puis bon, des jeunes à 15 ans... Parfois, ils sont un peu grignés, entre guillemets, donc on ne sait jamais trop, c'est pas évident. Parfois, on a des jeunes qui font un stage en troisième, stage de découverte. Je trouve ça intéressant parce que pour ça, nous, les jeunes, moi, ceux qui me demandent des stages, dans la mesure du possible, on les prend. On ne va pas en prendre 15 à la fois parce que c'est pas le but, mais au moins, ça leur permet de découvrir le métier et d'avancer, quoi. Alors, dans tous les métiers du bâtiment et des travaux publics, on cherche effectivement, il y a du boulot, comme on dit, oui, hein, c'est une filière porteuse quand même. Il y a de l'activité, puis on a des vieux, entre guillemets, à changer. Des vieux usés par le boulot. Oui, donc il faut bien transmettre aussi le savoir, quoi. Le savoir-faire, le savoir-être, ça se transmet. Alors c'est vrai qu'on apprend un métier, hein. Par contre ce qu'on n'apprend pas toujours, c'est le comportement, ou en tout cas on peut influer dessus, mais ça, c'est important. Hein. C'est primordial. Bon, je donne 2-3 cours au CFA, je leur dis de toute façon la moitié de la note, moi pour moi c'est déjà le savoir-être. Savoir se comporter correctement. Quelqu'un, un gamin, un jeune qui a des difficultés au niveau de son activité, s'il a un savoir-être qui va dans le bon sens, il avancera toujours. Un jeune qui est un peu plus, qui est un peu mou, qui n'a pas trop envie et qui a des possibilités, il faut que le savoir-être soit... Enfin, moi, pour moi, c'est primordial. Après, chacun sa façon de voir, mais moi, c'est ça. Alors, quand on prend un apprenti, en général, c'est aussi, quand tout va bien, pour le garder plus tard comme salarié. Oui. Hein, c'est arrivé souvent chez vous, j'ai l'impression, non? Le but, c'est de former des jeunes pour qu'ils restent dans l'entreprise, dans la mesure du possible. Alors, après, ça, les vicissitudes de la vie, on ne sait jamais, mais bon... pour moi, un apprentissage réussi, c'est quand on arrive à sortir un jeune et qu'on peut le garder derrière et qu'il a envie de rester aussi, parce que c'est pas toujours. Mais bon, c'est pas toujours évident. De toute façon, l'apprentissage,
c'est pas on claque des doigts et puis il faut avoir des jeunes qui aient envie, qui aient envie d'avancer. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est important. Alors vous êtes devenu formateur un peu par hasard, je crois. Hein. Oui, c'est même pas un défi, mais je n'avais jamais fait de lettre de motivation et de CV, moi, de ma vie. Parce que quand j'étais à l'UT, j'ai fait un premier stage, ça s'est bien passé. L'année d'après, ils m'ont gardé parce que je me débrouillais bien, je n'ai pas eu besoin ni de lettre de motivation, ni de CV. Et un jour, au CFA, ils cherchaient un formateur à temps complet. Bon, ça ne correspondait pas à ce que je pouvais donner. Mais... Est-ce que les semaines sont déjà chargées quand même, Plutôt, oui. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est 65-70 heures. Donc ouais. Bon, après, ça a été un peu compliqué. Donc un deuxième temps plein, c'était compliqué. Il ne fallait plus dormir. Ah non, mais ce n'était pas possible. Ouais. Mais c'était histoire de dire, ben, tiens, voilà, si vous avez besoin de quelqu'un pour faire 2-3 missions temporaires, entre guillemets, un peu de l'intérim, quoi. Et puis j'aime bien, ouais, c'est quelque chose qui me plaît, comment dire, donner ce qu'on a appris et le retransmettre. De toute façon, il faut parce que sinon après le savoir-faire se perd, quoi. Ouais, il disparaît. Ah, c'est embêtant pour l'entreprise, pour la société, pour le corps de métier, etc. Ouais. Et pour la filière aussi. Ouais. Un petit mot sur les apprentis. Est-ce qu'il y a des demoiselles qui sont venues taper à votre porte? Alors très peu parce que après, au niveau CAP, Bac Pro, c'est quand même des métiers. Bon, on est soit dans les tranchées, soit poser des bordures, des choses comme ça. Après, moi, je suis pour 100% pour l'égalité, c'est pas un souci, mais physiologiquement parlant, il y a quand même certaines différences. Par contre, pour être formateur aussi au CFA, je suis aussi président du jury au niveau des Bac Pro, il y a eu des filles, mais attention, des pointures, quoi. Voilà. Et elles ont plus à prouver, elles sont souvent meilleures que les garçons. C'est ça. Alors, il y en a peu, mais en général, le peu qu'il y a, c'est top, quoi. Voilà. D'accord. Elles sont assurées d'avoir du boulot après, du coup. Hein. Oui, c'est déjà joué d'avance, quasiment, quoi. Ouais. Ouais. Vous avez combien d'apprentis en ce moment, chez vous, là, autrement? Deux. D'accord. Ouais. Et ça se passe bien? Ça se passe pas trop mal. Alors, c'est comme avec n'importe quel employé, je veux dire. Vous avez toujours des hauts et des bas. C'est comme dans un couple. Vous avez des hauts et des bas. C'est pas pour ça que... on envoie tout péter dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. C'est pas pour autant qu'il faut balancer la truelle au visage de celui qui est en face. C'est ça. D'autant que ça abîme le matériel et le visage, et c'est bien dommage. Ok, en tout cas, bon, tout ne va pas trop mal dans la filière, donc vous le disiez, hein, voilà, dans cette période compliquée. Quoi, voilà. S'accrocher. Ouais. Ok. Merci Laurent Guillermin. Voilà, qu'on peut applaudir aussi, hein, le public en délire, parce que franchement, c'est vrai que voilà. Merci beaucoup Laurent, donc je crois qu'on va vous raccompagner en plateau parce qu'on va enchaîner dans quelques instants donc, avec les questions, des questions qui ont été posées au préalable par des collégiens et collégiennes de notre département indinois, les 65 collèges. Donc quelques-unes des questions, je vais accueillir Blandine Mezrette qui est la directrice du CIO, Centre d'information et d'orientation de Bourg-en-Bresse, qui va nous rejoindre dans quelques instants. Ah, vous apparaissez ici, Deus Ex Machina. Bonjour Blandine. Bonjour François. Merci d'être avec nous. Le CIO, donc, dont on va rappeler très rapidement le rôle quand même, hein, c'est un centre qui informe et qui oriente. Voilà, il y en a 6 dans l'un, donc pour recevoir les familles, les jeunes qui souhaitent être accompagnés sur leur projet d'études, leur projet professionnel. D'accord. On a 4 questions à vous proposer, alors qui ne sont pas forcément liées à la filière du jour d'ailleurs, hein, c'est comme ça, parce qu'il y a des questions qui arrivent, on en a trié quelques-unes, parce qu'on est pris par le temps. On va regarder la première tout de suite, donc qui va apparaître sur notre écran, et vous allez pouvoir y répondre, donc dans quelques instants, Blandine. Mathéo, en classe de 3e, demande, y a-t-il une formation dans l'un en électrotechnique? Oui, il y a une formation dans l'un en électricité d'abord, CAP électricité, dans plusieurs lycées professionnels de l'un, à Belay, à Ambérieu, à Bellegarde, Valserone, et puis au CFA du BTP à Bourg. Et puis, il y a même également un bac pro métier de l'électricité. Alors, c'est métier de l'électricité et de ses environnements connectés. Et là, on va les trouver dans les mêmes endroits, dans les mêmes établissements, à Caria également, en plus, et au CFA de l'AFPMA à Bourg. D'accord, donc Mathéo, il peut être tranquille, il y a des formations. Autre question que l'on va retrouver tout de suite dans cette tranche de classe de 4e. Léa donc vous demande, quelles études faut-il faire pour être carreleur? Ben là, on est dans les métiers du bâtiment, c'est clair. Et on pourrait dire carreleuse, parce que c'est Léa qui pose la question. Ouais. Alors, donc, il y a également un CAP. Le métier de carreleur, c'est un professionnel des façades des piscines, des salles de bain, des cuisines. Et on dit exactement carreleur mosaïste. Donc il y a un aspect artistique dans ce métier. Et dans l'un,
on peut se former en passant par un CAP, c'est 2 ans, au CFA du BTP. On peut travailler avec son CAP et puis aussi on peut poursuivre en BP, en brevet professionnel. D'accord, voilà, donc je me suis tenu à carreau pendant que vous parliez de carrelage, c'est la moindre des choses. On va regarder la question suivante, encore et toujours, posée par un collégien ou une collégienne. Élève de 3e, c'est Jade, quel beau prénom. Comment faire pour savoir si un métier me plaira? Alors, comment on fait pour savoir si un métier va plaire? C'est une question qui est importante. Alors, je vais être rapide, ramasser, on y reviendra. Alors, je pars du témoignage de M. Guillermin. Il dit, moi, j'aime bien proposer des stages en entreprise. Ça fait avancer. Bah oui. Hein. Une des premières démarches, c'est enrichir ses représentations du monde professionnel. Alors, comment on les enrichit? C'est des stages, des mini-stages, des portes ouvertes, des événements comme aujourd'hui, où on écoute des professionnels, où on écoute des jeunes en formation. Et ça, ça donne des images. Ça. On se représente un peu mieux les métiers qui nous intéressent. Donc, premier type de démarche. Deuxième démarche, se poser des questions sur soi. Donc, on dit enrichir sa représentation de soi. Et c'est dans ce dialogue qu'on va pouvoir prendre des décisions plus facilement. Et puis, en prenant ces décisions, on fait des choix. On fait un choix qu'on peut remettre en cause. On l'a bien vu, les 3 jeunes d'aujourd'hui. Mais on est fort de son expérience passée. D'accord. Et puis, je crois, une dernière question, si j'ai bien tout compté, hein, me semble-t-il. J'ai plus de doigts que de questions, mais je pense que c'est ça. Pierre, élève de 4e, combien gagne-t-on lorsque l'on est chaudronnier? Ça, c'est une question vaste, parce que ça dépend peut-être de la boîte et de l'employeur. Oui. Mais enfin bon. Alors, moi, j'ai regardé le salaire de départ. Un salaire brut, c'est 1555 euros. Mais ça, c'est bien le départ, c'est brut. Et puis, la rémunération va augmenter au fil de l'expérience, et en fonction de la complexité des chantiers. D'accord. Donc effectivement, plus on est formé, plus on est compétent, plus on a d'ancienneté, mieux on sera payé. C'est la grande logique. Merci beaucoup, Blandine Mezeret. Voilà, 4 questions parmi d'autres. Évidemment, le CIO est à votre disposition, jeunes gens qui nous regardent. Je salue aussi les professeurs, les principaux, les principales qui sont avec nous, et les professeurs avec un E aussi, qui sont derrière l'écran à côté de leurs élèves indinois des 65 collèges de notre beau département. Voilà, ainsi s'achève cette émission. Dans quelques instants, eh bien, je vais vous donner le prochain rendez-vous. Ce sera mardi prochain, 15h, même lieu. Toujours le collège du Hors-Vermont. 15h mémoraire, bien sûr, autour d'une filière, elle aussi, qui recherche des jeunes gens motivés, qui ont envie de rejoindre eh bien, ces métiers passionnants que sont ceux de l'hôtellerie, restauration, alimentation. Et ce sera donc le thème de la 3e émission. Merci à toute l'équipe, merci à la direction de la communication, merci notamment à Laurent Tissot et également donc, à Marie Deronia qui ont coordonné cette belle opération. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Et puis, bah, écoutez, encore une fois, j'espère que vous avez appris plein de choses. Et surtout, restez bien connectés. Encore 12 émissions pour cette information orientation bien particulière cette année. Bonne fin de journée. Ciao.